Ce qu'il faut, c'est empêcher le sexe libre. Ceux qui le pratiquent doivent être punis selon les lois de l'islam. Ceux qui ont des relations sexuelles avant le mariage doivent être condamnés à être flagellés. La sanction pour ceux qui pratiquent l'adultère, homme ou femme, c'est la lapidation. Si l'on met ce système en place, cela stoppera la propagation de l'épidémie.